وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Donc nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de certains versets du Coran de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rappelle et dit dans le sens des versets, dans le 63e verset: et rappelez-vous, ô enfants d'Israël, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi au-dessus de vous le mont Tour en disant: tenez ferme à ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ceux qui s'y trouvent afin que vous soyez parmi les gens pieux. Donc, Allah Ta'ala rappelle à Bani Israël un pacte. Al-Mithaq, c'est un pacte lourd, un engagement. Un engagement qu'ils ont pris avec Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qui est le fait de mettre en pratique ce qui leur a été descendu et révélé, la Tawrat. Et pour leur faire peur de cet engagement, Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est-à-dire pour leur montrer la gravité et leur faire peur, il leur a soulevé au-dessus d'eux le mont Tour, un mont en entier, il l'a soulevé au-dessus d'eux. Pour leur montrer, c'est-à-dire que la gravité du pacte qu'ils ont pris et leur faire peur, et pour qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il leur a demandé? Quel était cet engagement? Prenez ce qui vous a été donné, c'est-à-dire la Torah, les ordres d'Allah, avec sérieux, avec force. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a révélé aussi à Yahya: Ya Yahya, khudi al-kitab biquwa. Oh Yahya, prends le livre avec force, avec détermination. De même que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kilayhima khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Dans les deux, il y a du bien car il y a la foi. Donc, il est demandé aux croyants, comme il a été demandé à Bani Israël, comme il a été demandé à chaque croyant, comme il a été demandé au prophète Yahya alayhi salam, de prendre les ordres d'Allah et les ordres qui sont dans le livre avec détermination et avec force, avec sérieux, non pas avec faiblesse. Et c'est ça qui manque aux musulmans, de prendre les ordres d'Allah avec sérieux, avec force, car ça demande une force de caractère, une force de détermination. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la force? Le fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort, c'est celui qui sait contrôler sa personne au moment de la colère. Donc on voit que la force ici demandée, religieusement parlant, ce n'est pas en priorité la force physique. Bien que c'est une bonne chose pour un musulman d'être fort physiquement, mais ce n'est pas ça qui est demandé. Mais c'est d'être fort dans sa foi, d'être fort dans ses engagements vis-à-vis d'Allah, d'être fort dans sa détermination. Et Allah Ta'ala a demandé ça à Bani Israël en espérant qu'ils seront parmi les muttaqin, que vous ayez la taqwa. La taqwa, c'est d'obéir à Allah selon lumière venant de la part d'Allah, c'est-à-dire la science, en espérant la récompense d'Allah. Et délaisser les interdits d'Allah sur une lumière parvenant d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. En résumé, faire ce qui est demandé et délaisser l'interdit. Avec science et en espérant la récompense et en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de leur réaction. C'est-à-dire que Allah ta'ala leur a fait peur, leur a soulevé le mont Tour au-dessus d'eux et leur a rappelé l'engagement et le pacte qu'ils ont pris avec Allah d'obéir et de mettre en pratique la Tawrat. Mais comment ils ont agi? Allah Ta'ala le décrit dans le 64e verset et la suite: puis vous vous en détournâtes après cela, n'eût été don de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Donc leur manière d'agir, c'est qu'ils se sont détournés. Malgré ce rappel
malgré qu'Allah Ta'ala leur a élevé le mot au-dessus d'eux. Un mot, une montagne élevée au-dessus d'eux, subhanallah. Ils se sont détournés. Mais si cela n'aurait pas été la miséricorde d'Allah qui a continué à les rappeler et vouloir leur repentir, alors ils auraient été parmi les perdants. C'est-à-dire Allah les aurait détruits sur le champ et les aurait voués à un châtiment terrible. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, as-sabt, le samedi. En arabe, as-sabt c'est le samedi. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes méprisés et abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour eux-mêmes et pour les générations futures et une leçon pour les muttaqim. Donc, Allah Ta'ala parle ici d'un peuple parmi Bani Israël qui est passé avant eux. Et la description de cette histoire, elle est détaillée dans Sourate Al-A'raf. Allah Ta'ala parle dans Sourate Al-A'raf en demande aux gens de la ville. Allah Ta'ala dit dans le sens, demande aux gens de la ville qui étaient proches de la mer quand ils transgressaient le jour du samedi. Donc, quelle était cette histoire dont Allah Ta'ala leur rappelle et qui est décrite dans Sourate Al-A'raf? C'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a demandé à un peuple parmi les Bani Israël, les enfants d'Israël, qui habitaient au bord de la mer, il leur a interdit de pêcher le samedi, de pêcher les poissons le samedi. D'accord? Alors, comme ils étaient vicieux et mauvais, ils ont voulu manigancer avec Allah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plaçaient les filets vendredi soir, avant la nuit. C'est-à-dire le vendredi fin d'après-midi, avant la nuit, avant que ce soit samedi. Et ils les récupéraient samedi quand la nuit est tombée, c'est-à-dire c'était la nuit de dimanche. En vérité, ils mangeaient. Est-ce qu'ils ont obéi à l'ordre d'Allah en faisant cela? Ils n'ont pas obéi. Ils ont cherché à feinter. Et en réalité, ils ont pêché les poissons du jour du samedi. Et Allah Ta'ala, il les a éprouvés. Dans la semaine, ils n'avaient pas de poissons. Samedi, c'était rempli de poissons. Et ils sont tombés dans le piège. Est-ce que ça ne vous rappelle pas aujourd'hui ceux qui essayent de trouver des rukhas, des facilités dans le dîn? Quand il y a des choses interdites clairement par l'islam, du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Et la personne, à cause de la faiblesse des musulmans aujourd'hui, la faiblesse de la foi, l'ignorance qui s'est répandue, les passions qui ont pris le dessus, l'amour de Dunia qui est passé devant toute chose, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des facilités. Ils cherchent n'importe quelle erreur, n'importe quel roussin, n'importe quelle personne habillée d'un habit de l'islam pour leur permettre ce que leur passion désire. Même au point, quand ils ne trouvent pas une personne habillée de l'habit de l'islam, ils vont même chercher chez quelqu'un qui n'est pas habillé de l'habit de l'islam. À condition qu'ils trouvent ce qu'ils veulent. Et ils jouent avec les limites. Au début, mais il y en a plein, les limites, ils les ont dépassées depuis longtemps. Et Allah Ta'ala nous a interdit de suivre nos passions. Et il a dit à Daoud alayhi salam, Daoud alayhi salam, un prophète, il lui a dit, voilà, t'attabi' al-hawa, fayudillaka an sabilillah. Allah Ta'ala, il parle dans le Coran de ceux qui ont pris leur passion comme divinité. Et Allah Ta'ala, en parlant de ces gens, il dit, wa adallahu Allahu ala ilm. Il l'a égaré avec science. Donc suivre ses passions, c'est interdit en islam. C'est pour ça que l'imam al-Dhahabi et l'imam ibn Hazm, rahimahumullah, ils rapportent l'ijma' des savants. Celui qui suit les facilités de chaque savant, c'est un pervers hérétique. Parce qu'en vérité, il n'a pas suivi l'islam. Il a suivi ses passions. Il a attendu n'importe quelle personne qui dit une chose qui va dans son sens pour le suivre. Ça, ce n'est pas le comportement de celui qui se soumet à Allah.
c'est le comportement de ceux qui ont couru la colère d'Allah, car ils ont essayé toujours de feinter, de tricher, de trouver des manigances pour ne pas appliquer l'ordre d'Allah. Justement, l'histoire de l'Baqara, elle s'est appelée Sourate al-Baqara sur l'histoire qu'on va expliquer tout à l'heure. Les gens du Sept, Allah Ta'ala leur rappelle ceux qui ont transgressé au Sept, et Allah les a transformés en singes méprisés et avides. Il y a deux catégories, et la deuxième catégorie est divisée en deux. Ceux qui ont transgressé et ceux qui n'ont pas transgressé. Il y en a qui n'ont pas transgressé. Mais dans ceux qui n'ont pas transgressé, il y a deux catégories. Ceux qui se sont tus et ceux qui ont dénoncé. Allah, il a transformé en singe et en cochon ceux qui ont transgressé et ceux qui se sont tus. Et il n'y a que ceux qui ont dénoncé qui n'ont pas été transformés. Allah, il a maudit ceux qui ont transgressé et ceux qui se sont tus, parce que quand ils se sont tus, ils ont agréé. Ils étaient associés à leur péché. Donc Allah Ta'ala alors rappelle cette histoire, cet exemple. Et il rappelle que ceci était un rappel pour ceux qui étaient à leur époque et ceux qui sont venus après eux. Comme Allah Ta'ala dit, nous fîmes donc de cela un exemple pour eux-mêmes et pour les générations futures, dans le sens des versets bien sûr. Et une leçon pour les muttaqis. Bien sûr, car celui qui en tire une leçon, c'est que celui qui a un cœur vivant. Comme Allah Ta'ala dit, « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. » Il y a un rappel en cela pour celui qui a un cœur vivant. Ou bien qui porte l'oreille et qu'il est présent. Quelqu'un qui a un cœur mort, il peut voir tous les signes, toutes les preuves. Ça ne lui fera rien. Ça va faire que endurcir plus encore son cœur, comme on va le voir plus tard. Non. Puis Allah Ta'ala leur rappelle. Et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Il dit, te moquerais-tu de nous? Il dit, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants et des stupides. Donc, Bani Israël, où je vais lire d'abord tous les versets expliqués. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache ni vieille, ni vierge, c'est-à-dire ni trop âgée, ni trop jeune, compris entre les deux conditions, faites donc ce qui vous a été commandé. Donc, Bani Israël, il y a eu un mort parmi eux. Il a été tué par une personne. Quand il a été tué, Allah Ta'ala leur a ordonné d'égorger une vache. Et comme on va le voir dans les prochains versets, de frapper le mort avec une partie de la vache, peu importe la partie. Donc quand Moussa A.S. leur a dit, Allah vous a ordonné d'égorger une vache. N'importe quelle vache, une vache, une grosse, une petite, une âgée, une jeune, une de n'importe quelle couleur, une vache. Et eux, ils ont commencé à prendre Moussa en moquerie, alayhi salam. Il dit, tu te moques de nous? Tu nous dis d'égorger une vache, en fait, tu veux nous rabaisser, tu veux montrer ta supériorité sur nous. Alors qu'il n'appartient pas à quelqu'un à qui Allah a donné une supériorité dans la science ou dans les œuvres de mépriser les autres. Au contraire, il doit être reconnaissant envers Allah. وَحَاشَا لِمُوسَى et Moussa عَلَيْهِ السَّلَامِ لَيْسَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. C'est pour ça qu'il a dit قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un ignorant, moi, pour me moquer de vous.
ou pour vous rabaisser. C'est pas de mon comportement, c'est pas le comportement des prophètes, alayhim salam. Les prophètes sont des gens pieux, yashkurun Allah. Ils sont reconnaissants vers Allah. Quand Allah leur a donné un bienfait sur les autres, ils n'utilisent pas ce bienfait pour s'enorgueillir sur eux. Donc il dit, قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Je demande protection à Allah de faire partie des idiots et des ignorants. Alors, ils ont dit, demande à ton Seigneur. Déjà, ils disent ton Seigneur. C'est-à-dire, ça, c'est de l'orgueil. Ils n'ont pas dit notre Seigneur. C'est ton Seigneur. Demande à ton Seigneur. Ah, pourquoi Allah Ta'ala, c'est pas ton Seigneur? C'est que le Seigneur de Moussa, alayhi salam. C'est le Seigneur de l'univers, subhanallah. Ils disent, demande à ton Seigneur. Regardez l'orgueil. Demande à ton Seigneur, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise l'âge de cette vache. Comment elle est? C'est des questions, c'est comme quelqu'un, tu vas lui dire s'il te plaît va me chercher ça, il ne veut pas y aller. Alors pour ne pas y aller, il va te dire, ah ouais mais tu l'as mis où exactement? Dans quel tiroir? Mais le tiroir, c'est un tiroir à roulette? Ou c'est un tiroir qui se lève et qui se baisse. Mais dis-moi, elle est de quelle couleur? Quelle taille il a exactement? Alors qu'il a bien compris. Va me chercher là-bas tel outil, par exemple. Tout ça pour que tu abandonnes, tu dis, je vais aller chercher moi-même. Ouais, ça veut dire que c'est du inel. C'est quelqu'un, il n'est pas prêt à obéir. Il pose des questions pour ne pas obéir. Ce n'est pas des questions pour chercher à obéir. Donc ces gens-là, ce peuple, qu'Allah a maudit par leur comportement, ils posaient des questions par orgueil, pour défier Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et vous savez très bien toutes les insultes qu'ils ont dit sur Allah. Comme ils ont dit, Yadullahi maghloula. Ils ont dit, la main d'Allah est fermée. Allah Ta'ala leur a répondu. Ils ont insulté Allah d'avarice. Allah Ta'ala dit, ben, roulat aïdim, c'est eux les avares. Ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. Donc regardez ici comment ils ont pris Allah à partie. Et ils n'ont pas donné, estimé Allah à sa juste valeur et lui donné la grandeur et la soumission et le respect qu'on lui doit, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont dit, elle a quel âge cette vache? Comment? Alors, Moussa alayhi salam, il a répondu ce qu'Allah ta'ala le dit. Ni trop vieille, ni vierge, ni trop jeune, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous ordonne. Ne posez pas des questions bêtes et inutiles. Faites donc ce qu'on vous ordonne. Faites l'ordre, c'est tout. Posez pas de questions inutiles. Mais, Asarro. Ils sont obstinés à continuer à provoquer. Car, ils avaient un intérieur pourri. Il dit, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, c'est-à-dire Allah Ta'ala dit, que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Plus tachaddadu fatachaddad Allah subhanahu wa ta'ala alayhim. Ils ont cherché la difficulté, Allah Ta'ala leur a donné la difficulté. Et ça, il y a des hadiths sahih sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, ne soyez pas durs, ne cherchez pas la difficulté, car Allah sera dur avec vous.
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me posez pas trop de questions sur ce que je vous ai laissé. Car les gens avant vous n'ont péri qu'à cause de leurs nombreuses questions et leur divergence avec leur prophète. Si je vous interdis une chose, délaissez-la. Quand je vous interdis une chose, délaissez-la. Et quand je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous en êtes capable. Car l'islam ne t'a pas chargé au-dessus de ta capacité. Tu ne peux pas prier debout, prie assis. Tu ne peux pas prier assis, prie sur le côté. Tu ne peux pas faire les ablutions, fais tayammum. Tu ne peux pas jeûner, rends le jeûne, rattrape le jeûne. Tu ne peux pas jeûner tout le temps, nourris un pauvre. C'est-à-dire que tout le temps l'islam, il t'a donné une facilité dans l'ordre. Mais par contre, l'interdit, non, il n'y a pas de question. Ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Point. Délaissez-le, il n'y a pas. Si tu peux, si tu ne veux pas. Car le délaissement, ça ne demande pas une capacité. C'est juste de ne pas le faire. Tu ne t'approches pas. At-tark, le fait de délaisser le haram, ça ne demande aucun effort. C'est juste que tu ne le fais pas. C'est le faire qui demande un effort. Par contre, faire l'obligation, ça demande un effort, un sacrifice, une force physique, une qudra, une capacité. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit « Fattakullah mastata'tu » Craignez Allah au maximum de ce que vous pouvez. Donc, ils ont demandé quelle couleur. Allah Ta'ala leur a ordonné une vache jaune de couleur vive. Quand on la voit, ça fait plaisir. Sa couleur, elle nous fait plaisir de voir. Elle donne de la joie. Ça ne leur a pas suffi. Ils ont eu l'âge, ils ont eu la couleur, ils ont encore cherché la difficulté. Alors, ils ont dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, vraiment. Car vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent toutes. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Donne-nous encore plus de détails. Toutes les vaches, elles se ressemblent trop. Et Inch'Allah, on sera bien guidés. On sera bien, une fois que tu nous auras bien détaillé, on va bien savoir c'est laquelle. Alors, Moussa alayhi salam dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre. Donc, il ne faut pas que ce soit une vache qui laboure la terre. Ni à arroser les champs. Indemne d'infirmité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'infirmité, elle n'est pas infirme. Elle est saine. Et qui n'a d'autre couleur que le jaune. Il dit, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être jaune avec des taches. Il ne faut pas qu'elle ait des taches. Il faut qu'elle soit de couleur jaune unie. Ils dirent, ah, maintenant tu as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Comme si, avant cela, Moussa alayhi salam n'est pas venu avec la vérité. Subhanallah. Maintenant tu es venu avec la vérité. C'est comme si on te dit, avant tu nous disais que des bêtises. Et Allah Ta'ala a dit, ils l'ont fait, mais ils n'étaient pas loin de ne pas le faire. Ils n'étaient pas loin de ne pas le mettre en pratique. Cet ordre. Donc il leur rappelle, et rappelez-vous, quand vous aviez tué un homme et que vous vous êtes mis à vous disputer au sujet de ce crime pour savoir c'est qui, mais Allah a fait démasquer ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez-le, c'est-à-dire le tuer, le mort, avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah ressuscite les morts et vous montre ses ayat, ses signes, afin que vous reveniez. Donc, il leur a demandé d'égorger la vache, et il leur a demandé de frapper le mort avec une partie de la vache. Il faut savoir que dans les livres de Tafsir, vous trouvez certaines explications détaillées. On lit le frappé qui détaille ces histoires. Cette histoire ou d'autres histoires. Mais qui sont prises des Israéliens. C'est les nouvelles rapportées par Bani Israël, par les Juifs. À l'époque qui était avec les Arabes. Mais l'Israïliyat, leur hukm, leur statut religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hadithu an bani Israël wa la haraj »
Vous pouvez raconter ce que les Bnei Israël disent, il n'y a pas de mal. Mais, il a dit dans le hadith aussi sahih, ne traitez pas ce qu'ils disent ni de mensonge, ni de vérité. On ne sait pas. Donc, en vérité, utiliser des histoires rapportées par des majhoulim, par des inconnus, qui sont les Israéliens, pour expliquer le Coran, c'est une erreur. Car en vérité, on ne peut pas expliquer le Coran qui est le message pour l'humanité, qui est 100% vrai et 100% sûr, par des histoires qui sont a priori la plupart fausses et qui sont douteuses au minimum. Donc le sahih, c'est que l'israéliat, on peut, comme ils disent les muhakkikoun parmi Ahlul Ilm, on peut les raconter, mais pas pour faire le tafsir du Coran. Donc, ceux qui sont tombés dans cela, ils ont pu penser que le fait que ce hadith, il dit on peut rapporter le Bani Israël, ils les ont utilisés, au fil haqiqa, ils n'auraient pas dû le faire. En vérité, ce n'est pas approprié pour expliquer le Coran, le Karim, qui est la parole d'Allah. Le Coran, le Karim, on l'explique par le Coran. Ou par la sunna sahiha, par la sunna authentique. Ou par les paroles des sahaba. Et par la langue arabe. Voilà comment on explique le Coran. Pas avec l'israéliat. Pas avec le rail. Avec l'avis. Mon avis, ce verset veut dire ça. Comment toi, tu donnes ton avis sur la parole d'Allah? Allah, il a descendu ce Coran pour l'humanité comme un message. C'est pas ton avis. On n'en a rien à faire de ton avis. Ou bien ceux qui disent, les groupes égarés, qui disent que le Coran, il a une face cachée. Les mystiques. Ils disent, non, toi, tu comprends, ici, les juifs, je ne sais pas quoi, eux, ils vont t'expliquer, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ça veut dire ton âme et ton corps, et ça veut dire l'univers et les planètes. Eux, vous savez comment ils expliquent les choses. Donc, c'est comme s'ils disaient qu'Allah Ta'ala, il a parlé aux gens d'une manière que les gens ne comprennent pas. C'est grave de dire ça. Et avec ça, ils inventent tous les mensonges. Comme les Rafida, les Shia. Ils prennent des versets qui n'ont rien à voir. Ils disent ça veut dire l'imam, ça veut dire Ali, ça veut dire les 12 imams. Tous les versets pour eux, ça veut dire l'imam et Ali et les 12 imams et le Mahdi. Des versets qui n'ont rien à voir. Voyez. Pourquoi j'ai dit cela? Car vous avez certaines histoires qui vont détailler cette histoire qui est dans le Coran. Parmi les Israéliens, qui s'est passé telle et telle chose, qui l'ont frappé avec tel morceau de la vache, peu importe. Avec un morceau de cette vache. Peu importe la cuisse, la tête, la queue, il n'y a aucun intérêt à savoir cela. Donc, Allah Ta'ala leur rappelle, quand il leur a donné cet ordre, qu'ils ont frappé le mort, et que le mort il s'est levé, et il a parlé, et il a désigné qui était son tueur, qui était le criminel, et il y avait pour eux, en cela, un signe, afin qu'il résonne. Un signe, comme quoi Allah il va ressusciter les morts, comme il a ressuscité ce mort-là. Et au Qiyam, aussi, il va ressusciter tous les morts. Mais subhanallah, les signes et les rappels et les mises en garde, ça ne sert à rien pour eux. Car, quand quelqu'un il voit des miracles comme ça, et qu'il s'en détourne, après cela, tu peux lui montrer ce que tu veux, son cœur, il est Dieu. Et c'est pour ça Allah Ta'ala dit, après qu'on vous ait montré les signes, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore que des pierres. Pourquoi Allah Ta'ala a dit la pierre? Le fer, l'or, quand on le met au feu, il devient quoi? Il fond. La pierre, même dans le feu, il ne fond pas. Donc il n'y a pas quelque chose de plus dur que la pierre. Une montagne, est-ce qu'elle prend feu? Une montagne, la roche. Si tu enlèves les arbres, l'herbe, etc. La roche en pierre, elle ne prend pas feu. Donc Allah Ta'ala a parlé de leurs cœurs qui sont plus durs que la pierre. Plus durs. Et il a montré même les vertus de la pierre par rapport à leur cœur. Il a dit, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux.
C'est-à-dire une pierre, il y a des ruisseaux qui peuvent jaillir d'elle. Vos cœurs durs, il n'y a rien de bien qui peut en sortir. D'autres se fondent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Même des pierres, elles s'affaissent par crainte d'Allah et leur cœur, il ne bouge pas par crainte d'Allah. Mais certes, Allah n'est jamais inattentif à ce que vous faites. C'est-à-dire, ils ont tout ici. Ils ont le pot, ils ont le banwa salwa, ils ont la nourriture du banwa salwa qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a sauvés. Il leur a ouvert la mer. Il les a sauvés de Pharaon. Il leur a envoyé Moussa. Il leur a révélé la Torah. Il leur a fait mourir quelqu'un devant eux. Il leur a fait revivre. Après cela encore, leurs cœurs, ils sont devenus durs. N'importe quel signe qu'ils voient après cela, il leur est plus utile. C'est pour cela, barakallahu fikoum. Il ne faut pas demander à Allah de voir des signes ou des miracles. Car si tu te comportes mal après cela, la preuve d'Allah sur toi n'en sera que plus forte. Tu n'auras plus d'excuses. L'important, ce n'est pas de voir des miracles ou des signes. L'important, c'est de se soumettre à Allah, de croire profondément en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa seigneurie, en sa divinité, en ses noms, ses attributs, l'adorer lui seul sans lui donner d'associé subhanahu wa ta'ala, croire à tout ce qui a été révélé dans le Coran et qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et agir avec. C'est ça l'important. Il n'y a pas plus grand miracle que le Coran. Celui qui médite le Coran, il va en voir. D'ailleurs, les versets du Coran, ça s'appelle comment ? Ayah. Et les miracles, Allah Ta'ala, comment il les a appelés dans le Coran ? Ayah. Mu'jiza, ce n'est pas une parole qui est dans le Coran, ni dans la Sunna. D'ailleurs, il faut éviter de l'utiliser. C'est une parole qui a été ramenée par Al-Asha'ira et par Mu'tazila. On dit Al-Ayat, ou bien Al-Dala'il, ou bien Al-Bara'il. Al-Bara'il. Burhan, Dalil, Al-Ayah. Ça, c'est des termes utilisés par le Coran et la Sunna. Al-Ayah, le signe. Al-Dalil, la preuve. Ou le signe aussi, ou le burhan, tout ça c'est des signes, dans le sens du miracle. Voilà. Donc, les versets du Coran en vérité, ils sont appelés, ils sont nommés les miracles du Coran. L'ayat. Ayat, c'est un miracle. Ayat, c'est le pluriel de ayat. Donc, chaque verset est un miracle. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'une créature. Et il y a dedans la guidée pour les roues, jusqu'à l'heure du Qiyam, car il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est le dernier livre révélé et descendu pour l'humanité. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On salli à Mohammed wa alayhi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.